Hello les quoi au juste? Les gars, ça fait très impersonnel maintenant que j'y pense. Et je me disais, vous trouvez un nom. À vous qui me regardez, c'est important pour moi. Alors j'ai fait une séance de brainstorming tout seul. J'ai pas d'amis. Du coup, je me suis retrouvé avec plusieurs mots. Puzzle, casse-tête, patience, nerf. J'ai eu plein de mots. Et j'en suis arrivé avec des mots comme crâne, casse-crâne, crânien. Et dans quoi on utilise le mot crânien? Dans traumatisme crânien. Et je trouvais que ça collait hyper bien. Alors du coup, je vais refaire mon intro. Hello les crâniens. Aujourd'hui, les canas sont à l'honneur. Retour sur des mécanismes qui sont cachés. J'aime beaucoup les canas car ils ont tous une façon de penser qui est quasi obligatoirement outside the box. Donc figurativement, c'est anti-académique. Et sans plus tarder, je vais vous présenter. Le cadenas de Houdini. Un casse-tête de chez Great Minds, un packaging qui en jette. Allez, on l'ouvre. Juste avant de commencer le cadenas, j'ai un ami qui est coiffeur, ou qui était. Et il trouve que mes cheveux, je devrais les coiffer. Ok. On va commencer la vidéo comme ça. Aussi, par la même occasion, je suis en train de tester différents emplacements où placer mes lumières pour qu'on voit mieux la zone principale. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous convient ou si c'était mieux avant. On voit un peu mieux mes mains, on voit mieux les ombres aussi. Voilà le fameux cadenas de Harry Houdini. Mais je pense qu'ils ont juste utilisé son image. Et c'est parti. On a deux clés, un cadenas, ni plus ni moins. Et il est plutôt lourd, hein. Oh mais qu'est-ce qu'il est beau! Regardez les détails. Ça m'apaise juste de le regarder en fait. Bon, si je continue, on est encore là pendant des heures. On va lancer le chrono. Bon, à première vue, les deux clés sont identiques. Ils ont vraiment pas l'air d'être différents l'un de l'autre. Mais j'ai l'habitude dans les casse-têtes cadenas que les clés ils servent à rien. Il y a aussi sur le cadenas des inscriptions. Voici Commander Rego 1148555 WIPL. Whipple. Et à l'arrière, il y a un trou. On peut voir des petits bouts de métaux à l'intérieur. Pas sûr que ça va nous aider. Aussi, c'est un peu étrange. Les petits bouts de métaux ici sont un peu aléatoires. Aucune idée si ça va m'aider. Ah. Ici, je peux remarquer un petit bout qui dépasse. Je vais essayer de l'utiliser. Non, même en faisant effet de levier, ça fonctionne pas. Oh! Là, vous le voyez, on peut voir de l'autre côté. Et vous savez, ça veut dire quoi? J'en sais rien. En fait, depuis tout à l'heure, je suis en train d'observer tellement il est beau. Oh. Tiens, là aussi, c'est bizarre. C'est un bouton. Je vais appuyer dessus. Ça sert à ça, la clé, je pense. Oh! Oh damn! Oh, putain, c'est trop bien! Je vais réessayer. On a l'impression d'être dans un film d'espion avec des cachettes secrètes et tout. Damn, son! Je suis en train de tourner. Ah bah voilà! C'est tout! Non! 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 Il est trop beau pour que ça soit tout! Oh. Si vous le voyez quand je tourne la clé. Oh, j'ai oublié de l'arrêter, tiens. Bon, ils disent que j'ai mis 4 minutes 41. C'est pas vraiment un temps représentatif. Franchement, il est... C'est trop bien comment c'est fait ce truc. C'est génial. Je pourrais passer ma journée à faire ça. Bon, encore une fois, les clés, ils servent à rien vu que je pense pouvoir appuyer sur les boutons. Ouais. Bah, j'ai encore du temps, là. L'algorithme de YouTube privilégie les vidéos d'au-delà de 10 minutes. Ça vous dit un autre cadenas? Je vais le ranger précieusement ici. Et voilà le deuxième. Je vous présente... C'est quoi son nom encore? Aucune idée, j'ai pas trouvé sur internet. Mais comme il a une forme de cœur et que l'anglais c'est plus cool, on veut l'appeler Love Lock. Celui-ci est produit par JCC. Si vous connaissez un peu le monde des casse-têtes, JCC est un acronyme pour Jean-Claude Constantin. Je ne sais pas si c'est une personne ou une compagnie, je n'ai pas cherché plus loin que ça, mais c'est un nom qui revient assez souvent. Et il a un côté un peu plus cheap que le précédent, surtout au niveau des détails. Et là encore, 3 clés pour le prix d'un, exactement identiques aussi. Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils ont l'air différents. On change pas une équipe qui gagne. On se laissera pas avoir. C'est parti. Allez, continuez. On va de toute évidence commencer avec les clés. Oh bah c'est étrange, ça fonctionne pas, c'est étonnant. On peut limite voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Comparé aux autres clés, ceux-ci ont des dents. Oh. Il est sympa la sensation de tourner. Bon bah, c'était un peu court. Si vous pouvez sentir la sensation de tourner la clé, c'est assez satisfaisant. Clic, clac, clic, clac, clic, clac, clic, clac. Je vais vous montrer. C'est comme l'autre. Et voilà, place au review. Le premier, le cadenas de Houdini. Matériel plus que respectable, il a un bon poids dans les mains, ça fait toute la différence. Il y a plein de petits détails dessus, on s'ennuie vraiment pas en le regardant. Juste petit bémol, le bouton pour activer est assez fort visible. Rajouter de la matière autour pour qu'il se fonde plus dans le décor aurait été appréciable. Il sort vraiment, hein, parce qu'on le voit ressortir quand même. Néanmoins, ça n'empêche que ça reste un bon cadenas. Visuellement, il a un beau design. Désormais, je vais aussi donner 2 notes sur chaque casse-tête, une de difficulté et une d'appréciation. Attention, c'est totalement subjectif. On va commencer par la difficulté. Je lui donnerai personnellement un... je lui donne un 1 sur 5. Appuyer sur un bouton pour activer la petite trappe qui s'ouvre, c'est vrai qu'il fallait y penser, mais le bouton est beaucoup trop visible. Ça laisse aucun doute. Et la note d'appréciation, 4 sur 5. J'ai vraiment été content d'avoir vécu ce moment d'émerveillement quand la pièce métallique est remontée. C'est ça que je recherche moi, c'est la surprise. Et j'ai plutôt été bien servi. Et ensuite, le Love Lock. Niveau matériel en dessous comparé au précédent, ce que je reprocherais le plus, c'est la qualité des finitions et aussi du système à l'intérieur. Si la sensation est appréciable de tourner la clé, le fait de rentrer la clé, de la faire bouger et de la faire tourner, vous avez toujours cette impression de frotter 2 objets rouillés. On peut même l'entendre. Je vais le faire proche du micro. C'est au niveau de la sensation que je reproche plus le matériel. Et sur le cadenas, il n'y a rien à dire. Et c'est justement ça le souci. On s'ennuie assez rapidement de le regarder et on en vient vite à l'action de résolution au lieu de prendre notre temps d'appréciation. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est important aussi pour moi. J'ai fait des études en art et c'est un processus qui rajoute une valeur. J'en ai bouffé des musées. Et des œuvres où vous jetez un coup d'œil puis vous passez au prochain, ils sont légion. Et là c'est pareil. Quand vous tombez devant une œuvre où votre regard est scotché, vous dites rien, vous appréciez l'instant présent. C'est pas à ce niveau-là que vous appréciez l'œuvre, mais plutôt ici. Je baratine, mais faut bien que je le note celui-ci. Je lui donne pour la difficulté 1 sur 5. On en vient trop rapidement à la solution par élimination des possibilités. Et l'appréciation, 2 sur 5. Les 2 points qui me permettent de le sauver du 1 sur 5, c'est sa forme de cœur et la sensation de tourner la clé à l'intérieur, qui est un peu mitigée quand même. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voudriez me voir réaliser un certain casse-tête, puzzle ou simplement ce que vous en avez pensé. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et le plus magique, abonnez-vous.